Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais faire macaron premier, macaron chocolat. Un petit café. À savoir qu'est-ce qu'il envisage pour la France. Et est-ce que c'est un psychopathe, manipulateur, enfin tout ce qu'on veut voir. Donc, on va voir ça. Donc, pour ce faire, je vais peut-être prendre l'oracle des chats, mon oracle que je viens de créer là. Et peut-être l'oracle céleste. Et l'oracle que je vous avais présenté d'une personne qui l'avait créé. Bon, bref. Et puis peut-être la Béline. Bon, allez. Bon, j'ai pas allumé de bougie, hein. Pas besoin, hein. Pour macaron premier, il n'y a pas besoin. Allez, qu'est-ce que macaron? Visage pour la France. Qu'est-ce que macaron envisage pour la France? Money, 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 moi. Je vous dis ça parce que lui, ce qu'il cherche, c'est l'argent. Voilà. Bon, je vous l'avais déjà dit. Hein. Lui, c'est le pognon, 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 pognon. Et on me dit bien que c'est une personne qui manipule et qui est très rusée. Et il abuse, bah il abuse de son pouvoir. Bon, bah voilà, bon, déjà ça c'est dit, on est en plein dedans. Allez. Hop là. Qu'est-ce que Macaron envisage pour la France, s'il te plaît? Merci. Peut-être faire un tirage en croix, on va voir. Alors, est-ce que vous les voyez? Oui, je pense que oui. Donc là, on me parle de communauté. Communauté, ça peut être nous, le peuple. D'accord? Donc, le peuple. Qu'est-ce qui va contre? Eh bien, les épreuves, les soucis et les difficultés avec lui. On me dit que pour la France, c'est un danger. Par contre, on me parle de temps. Donc ça, il faut que j'aille voir un peu plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le peuple? S'il te plaît, qu'est-ce que tu peux me dire sur le peuple? Eh oui, voilà. Le peuple, nous, ce qu'on veut, c'est la paix, surtout, hein. Fichez-nous la paix, hein. On veut le bonheur, hein, voilà. Et on ne veut pas ce qu'il envisage de faire là, avec Poupou. Alors, ces difficultés, c'est quoi? Les soucis avec le sceau. Donc, en fait, nous, on est dans l'épreuve et tout ça, et ce trou de balle, il nous met vraiment en danger. Là, ça me parle de danger. Vous voyez, le chat, il saute. Il saute dans le vide quand même, hein. Et on me ressort le danger quand même avec lui, hein. Le danger de... Ah, voilà, regardez. Il parle bien, mon oracle, hein. C'est quoi le danger? C'est l'homme. Donc, c'est lui. Lui, c'est Macaron. C'est un danger pour nous. Il faut l'éliminer. Alors, je ne sais pas si on peut...
si les ministres ou je sais pas quoi peuvent voter pour le faire dégager avant 2027, peut-être, je sais pas. Et c'est peut-être pour ça qu'il veut faire la guerre avec Poupou, parce que pendant les guerres, on ne peut pas voter les présidentielles. Donc ça lui permet, lui, d'avoir un peu plus d'années pour être président, parce qu'il ne veut pas quitter son boulot, lui. Le temps, ça parle de quoi? Pourquoi ce temps? On parle encore de manipulation, de vol. Avec le temps, on va apprendre que, bon, forcément, on sait que c'est un manipulateur. Ça, c'est bon, on l'a compris, hein. Mais avec le temps, on va apprendre qu'il nous a trompés, qu'il a volé dans les caisses aussi, hein. On me dit qu'il y a une décision difficile. Sur le bonheur. Et sur l'union. Donc là, on est en train de me dire qu'il est quand même en train de réfléchir à la connerie qu'il a fait. Hein. C'est un peu difficile parce que là, j'ai l'union, hein, et le mariage, de se réconcilier avec Poupou. À mon avis, il doit réfléchir en disant, merde, j'ai été trop loin, qu'est-ce que je peux faire pour faire machine arrière, en fait. Bon, mais écoutez, c'est bien, hein. Il parle très bien ce jeu. Alors, si vous le voulez, c'est sur ma boutique Etsy, La Voix des Anges. C'est l'oracle des chats de Caïta. Voilà. C'est celui-là. Donc après, on va voir avec Béline. Alors, est-ce que je vois avec l'ancien Béline? Qu'est-ce qu'il envisage pour la France? Je dis le nom dans la tête, hein. Je ne peux pas dire le nom entièrement parce que je vais me faire striker. Bon, il y a une femme. Bon, ça doit être la hyène. Ah, ça peut être la France, ça peut être nous en fait. La femme, elle est représentée par nous, le peuple, par le monde. Donc, nous, on me dit bien que voilà. On veut la paix, hein. On a la marre des trafics, hein. Et grâce à nous, enfin grâce à nos prières, donc prier beaucoup, on a la grâce de Dieu quand même sur nous, donc continuez vos prières pour pas que la guerre se réalise. Allez, alors, Macron, s'il te plaît. Oh mince, j'ai dit le nom. Macaron. Macaron au chocolat. Qu'est-ce qu'il envisage pour la France? Bon, on va avoir des nouvelles, alors des nouvelles de l'étranger, donc certainement des nouvelles de la Russe, plus loin si. Il y a une trahison derrière quand même. Et Macaron renversé, hein. Mais il y a la grâce, on a la protection, nous. J'ai pas l'impression qu'il peut revenir en arrière, le macaron, hein. Il a été trop loin. Alors, qu'est-ce qu'il envisage pour la France? Je les ai toujours pas talqués. Qu'est-ce qu'il envisage pour la France? L'héritage. Bon, ça, c'est son poste. Il a la destinée à l'envers, donc forcément son poste, eh ben il est sur comment on appelle ça sur un fil, on va dire, hein, prêt à être éjecté par sa connerie là. Je vous dis qu'il était dingue. Hein. Bon, là, c'est peut-être une bonne nouvelle parce que là, on apprend en fait qu'il ne pourra pas faire ce qu'il veut faire avec la Russe, plus loin si. Il est bloqué. Vous voyez, on en aura des nouvelles. Hein. Voilà. Des nouvelles sur ce qu'il envisage de faire. Les écrits. Bon.
1, 2, 3, 4, 5. J'irai pas plus loin. Je vais pas aller plus loin cette fois-ci. Je vais pas aller chercher midi à 14h. D'ailleurs, je crois qu'il est midi. Ça tombe bien. Alors aujourd'hui, j'ai fait, si ça vous intéresse, j'ai fait des. Je cherche mon mot. Je suis très légumes, moi, je mange beaucoup de légumes. Et j'ai fait des poireaux. Voilà. Avec quelques saucisses. Voilà. Ça sera très bien. Je les achète congelés, ça coûte moins cher. Hein. Bon. Allez, donc. Par contre, elles sont grandes, celles-là. Allez. Qu'est-ce que Macron envisage pour la France? S'il te plaît. Qu'est-ce que Macron envisage pour la France, s'il te plaît? Alors, j'ai collé pas celle-là. Hein. Ouais, bon. Alors, elle s'appelle comment celle-là? Vous voyez, il envisage. Déjà, je vous avais dit qu'il faisait des trucs occultes. Là, ça me le dit, hein, force occulte. Hein. Comment elle s'appelle, elle? Ben, elle ne s'appelle pas. C'est la carte 9. Ah, c'est une table de Ouija. Ouais, ok, bon, alors, c'est pas bon. Et en fait, ce qu'il veut, c'est la chute sociale. Bon. On dit bien qu'il prend la mauvaise direction, forcément. Bon. Qu'est-ce qu'il envisage pour la France? Oh, il y en a beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'il envisage pour la France? Là, on parle d'hésitation. D'hésitation de quoi? Ah oui, là, on me dit qu'il est en train de réfléchir hein, pour Poupou. Hein. Il a vu qu'il a le bonheur renversé. Hein. Il a vu qu'il a fait une connerie, en fait. Hein. Et il ne sait pas comment faire machine arrière ce con. Mauvaise influence. Bon, forcément, mauvaise influence, vous savez qui c'est? C'est la hyène. La hyène a une mauvaise influence sur macaron au chocolat. Hein. Lui, c'est le pantin, hein, je vous l'avais déjà dit. Hein. Elle aussi, il faudrait la dégager. Hein. Ça nous ferait du bien. Et là, on dit qu'il a touché le fond quand même, hein, avec la pleine lune. Hein. Le mec, il a touché le fond. Bah oui, forcément. À savoir que la hyène, son grand-père, il était SS, hein, et en Allemagne. Et c'est la Russie quand même, pendant Hit, plus loin clair, qui est venu aider la France. Hein. Et après les Américains. Et c'est grâce à la Russie aussi qu'on a gagné hein, contre Hit, plus loin, clair. Et à mon avis, elle a la haine contre la Russie, elle, la hyène. C'est ça qu'elle fait chier. Oh, elle a dégagé, là. On dit qu'il y a un secret entre deux. Ouais, il veut la guerre, lui, hein. Il y a un renouveau, il y a un nouveau cycle. Bon, c'est quoi ce nouveau cycle-là? Ah, il doute. Vous voyez, je vous l'avais dit qu'il doute. Ah oui, hein. Non, mais franchement, contre la Russe, plus ou moins si. Mais n'importe quoi, lui.
Là, il est en train de réfléchir. Ouais, il réfléchit. Hein. Il réfléchit, réfléchit. Ouais, il réfléchit, mais on me dit que ça ne se fera pas, il y a la ruine. Je vais la mettre à l'endroit. C'est. On va le bloquer. Hein. On va le bloquer. Bon, allez. Et pour les agriculteurs, je suis sûre qu'il fait exprès pour racheter les terres. Vous avez réfléchi à ça? Avec celui qui fait du ski, là, les élances qui fait du ski. Je suis sûre que c'est ça, mais je sais pas, je sais pas, je suis persuadée. Alors, là, on va voir un petit peu son état d'esprit. Alors, l'état d'esprit de Macaron. Inaction. Bah oui, forcément. C'est vrai qu'il n'est pas très inactif. Hein. Enfin, il est très inactif. Hein. Sauf pour faire des conneries, bien sûr. Hein. Pour dire des conneries comme il vient de dire. Hein. Par contre, pour les agriculteurs et tout ça, pour la France, il ne fait rien. À part l'enfoncer encore un peu plus. Hein. Quel est l'état d'esprit de Macron? Et après, je demanderai voir si. S'il veut la guerre pour rester président. Ah oui, ça serait bien pour lui. Comme ça, on ne peut pas voter en 2027. Et lui, il peut rester un peu plus. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le laisser faire. Hein. Ouais, il travaille pour foutre la merde. Hein. Il y travaille quand même. Il travaille. Pour que ça clash, hein. Vous voyez? Ça peut me parler de guerre, hein. C'est son état d'esprit, c'est son cerveau, hein. Ça ne veut pas dire qu'on va être en guerre, hein. D'accord? Confondez pas tout. Ah, j'ai mon sigil. Allez, je vais le mettre là, mon sigil. Allez. Alors. Alors là, vous voyez, là, on me dit qu'il est bloqué, bloqué, point de vue des finances. Bah oui, on n'a plus d'argent, nous. Hein. On est devenu un pays pauvre. Hein. Par contre, on me parle bien de voyage, parce que là, je pense que c'est le voyage avec le train, hein, pour un renouveau. Est-ce qu'il va quand même tenter d'aller voir Poupou et de négocier, de dire, excuse-moi, mon pote, j'ai pris trop de coke, et je ne savais pas quoi faire. Enfin, je ne savais pas ce que je disais, en fait. Peut-être. Bon, elle est là, hein. Renouveau avec une femme. Bon, ça c'est la hyène. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Qu'est-ce qu'elle veut, la femme? C'est tout simplement une femme qui va nous aider aussi, attention. Hein. Pour ça, je veux savoir qu'est-ce qu'elle veut, cette femme. Qu'est-ce qu'elle veut? Ah, il y a une femme qui l'observe. Bon, ça peut être la hyène. Hein. Il y a une femme qui observe le jeune. Le jeune Macaron. D'accord? Et pourquoi? Attendez, 1, 2. 3, 4, 5. Ah oui, non, il y en a trop. Je crois qu'il y en avait 4. Quand il y en a 4, je les prends. Quand il y en a 5, je les prends pas. Quand il y en a une, je la prends, bien sûr. Alors, pourquoi cette observation? Il y en a combien là? 1, 2, 3, 4. Pas pourquoi on me parle de tarot de voyance. Il y a peut-être un de deux qui va avoir une médium. Hein. Eh bien, la pauvre médium. Le crapaud, donc pour moi, c'est Macaron, hein, c'est un crapaud. Il y a quand même le bouquet, donc le bouquet, c'est un cadeau, c'est une surprise.
sur l'eau bénite. On va le Vateratro Satanas. Voilà, il est possédé, donc on va peut-être le déposséder. On va faire appel à un curé, je pense. Alors, qu'est-ce que ça pourrait dire? Ah, ça y est. Alors, la France, nous, on l'observe, on fait appel à des médiums, donc nous, hein, voilà, on regarde YouTube, on regarde sur le crapaud, donc lui. Hein. Mais on nous dit que on est protégé quand même. Vous voyez, j'ai encore la protection avec le bouquet et l'eau bénite. Moi, pour moi, on est protégé contre le mal. Disons que ceux qui sont protégés, c'est ceux qui voient la lumière. Hein. C'est pas les ceux qui mettent des commentaires à la noix. Eux, par contre, ils ne seront pas protégés. Hein. Tant pis pour eux. Hein. Allez. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire de plus, s'il te plaît? Je vais en prendre un autre après. Ah. Vous voyez? Eau bénite et possession démoniaque. Non, mais franchement. Comme je vous ai dit depuis très longtemps, qu'il est possédé. Il est possédé. Et en plus, il a chat noir. Alors lui, tout ce qu'il touche, il porte malheur. Hein. On peut me parler de sorcellerie, hein, le chat noir. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il te plaît? Ouais, c'est quelqu'un qui... c'est l'illusion sur la joue, en fait. C'est quelqu'un de mauvais. Hein. La chouette, il est observé. Il y a un retour de manivelle pour lui. Peut-être un retour de karma, mais je sais pas quoi. Hein. Il va demander pénitence, voyez. Mais c'est faux, en fait. C'est lui, c'est... Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a la clé. Voyez, la clé du destin, on a l'amour sur les foyers, hein. Sur nous. Hein. Bon, bah écoutez, c'est bien déjà. Lui, on s'en branle. Hein. Son avenir, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est surtout nous, quoi. Alors, après, lequel que je prends? Lequel que je vais prendre? Tiens, je vais prendre l'oracle de fil voyance. Mon petit fil, qu'est-ce que tu peux me dire? Est-ce qu'il y aura une guerre entre l'Europe et la Russie plus loin si, s'il te plaît. La vieillesse, bon, ça peut me dire que non, ça commence à... Vous voyez, la vieillesse, ça commence à vieillir, quoi, en fait, c'est... Ça va se calmer, voilà. Oh, regardez, on a une super protection, en plus. Hein. On a une super protection. Pas si je vais les prendre, mais bon. Et on va avoir une éclaircie au printemps. Et il veut bien prendre les armes pour la destruction de la Russie plus loin. Si, hein. Par contre, là, j'ai trois cartes négatives.
Donc j'ai demandé un peu plus quand même. Ça, c'est pas bon. On peut très bien dire que lui, il veut. Bah, il veut la guerre, hein. Mais l'Europe ne veut pas. Donc l'enfermement, dû à l'enfermement, c'est-à-dire qu'on l'isole, le petit nain celui qui est possédé, quoi, on l'isole. Hein. Et on essaie de le détruire, ça peut être ça aussi. Hein. On va le bloquer, en fait, ça peut me dire ça. Parlons positivement. Les armes, c'est quoi? Vous voyez, le peuple ne va pas se laisser faire. Hein. On va taper du poing là. Les foyers sont en colère. Hein. Oh, l'enfermement et la mort. Pas bon. J'irai voir après. Voyez, il veut détruire, mais on va le bloquer, le gel. Par contre, l'enfermement à la mort, est-ce qu'on va attenter à sa vie? Peut-être. Parce qu'il a été trop loin. Le sacrifice. Ah, ça peut être la mort de sa présidentielle. Hein. Parce qu'on parle de sacrifice. Hein. On l'enferme, on le sacrifie, on le fait dégager, quoi. Bah tant mieux. Je devrais dire. Voilà, il y a la trahison. Donc, il va être trahi par l'Europe. Hein. Ouais, il s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui tournent le dos, là. Et on lui dit de se retourner, enfin, se tourner vers la religion. Bah oui, ça serait pas mal. Surtout qu'il est possédé, donc ça serait pas mal. Bon, bah, c'est tout. Allez. J'ai fini, j'irai pas plus loin. On me sort l'éclaircie. Bon, c'est une bonne carte. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. C'était une petite vidéo, mais très bien. Allez, bye bye. Mettez des pouces, surtout. Partagez. Les commentaires, bah, je réponds. Les mauvais, je les dégage. Et je vous bloque. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.